Bienvenue. Ça, vas-y, prends ton à temps. À toutes et à tous. À toutes, parce que là. Bonsoir. Oui, on a eu un appel. Je la remercie d'ailleurs. On la remercie pour l'appel. Non, c'était, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de se faire appeler. Toujours, toujours. Et il est toujours temps de vous souhaiter la bonne année jusqu'au mois de fin janvier. Ouais, ouais, voilà, c'est la dernière émission. C'est la dernière émission de janvier, non? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. On reprendra le 2 février par la suite. Ça alors, comme le temps passe vite. Ouais. Bonne année sur Radio Libertaire dans l'émission Radio Show. Tormentor.show. Tormentor Radio Show. Radio Show. Show. Ouais. L'émission Spasmo et quelques. J'ai vu ça. Spasmolytique. Ah oui, on a fait très. Très très skinny poppy les titres. On était un peu monomaniaque quand on a décidé du titre de l'émission. Donc on a mis comme 2 bonnes semaines à trouver qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme nom qui soit pas qui nous fasse nous colle pas la honte. Bah là ça compte pas. Bon, 3 jours pas la honte, spasmolytique. C'était pas mal. Hein. Non, Tormentor dit c'était bien, voilà, parfait. Tormentor, ouais. Il faudra que j'en passe du Tormentor, le tchèque, le hongrois, en fait, je me rappelle plus ce qu'il est là, parce que c'est pas mauvais, c'est un peu trash, c'est pas mauvais. Bon, allez alors, aujourd'hui, démarrage très en douceur hein, de l'Electronica, un peu partout. On a commencé par Keith Baker, je crois que c'est un Américain, pas oui. sûr. Oui, c'est un Américain. Oui. Voilà, il a sorti son premier album sur N5MD. Ça s'appelait The Witness Years, on a écouté Fountains Abbey. Ensuite, ça s'est dégradé, hein. Il est passé chez Ad Nauseam. Oh là, j'ai réécouté, j'ai dit tiens, je vais faire un spécial, une petite compile, un quart d'heure de ce groupe-là, de ce mec-là. Et puis, j'écoute l'album. Je dis oh, les morceaux sont pas mal, mais franchement, ils font pas. Non, quoi. Ils font pas triper. Non, pas assez, quoi. Rectification, il est anglais. Hein, il est anglais, vraiment. Il est anglais, Baker. Un anglophone, alors, un anglo-saxon. Pour revenir à Nauseam, c'est assez chelou. Il y a des boîtes comme ça dans différents styles de musique où ils sortent pas mal de scud et tous les scuds sont moisis, quoi. Bah, c'est vrai qu'ils sont, ils sont devenus très. Ils sont concentrés sur un style, j'ai l'impression. C'est l'air zen. Non, c'est. J'irais pas ça. Je dirais qu'ils ont plus de breakbeat, un peu de trucs comme ça, genre les Sedata Key, les trucs comme ça. Parce qu'au début, ils ont sorti, chez Nauseam a sorti des trucs un peu différents, quoi, de l'ambiance, de l'indus. Voilà, bon, tout au début, hein, et ensuite, ça s'est vraiment cristallisé, des trucs, les Moss Boys, très beau terme, Larvae, en fait, par exemple, des trucs sympas sans plus, tu vois, un user, bon par moment, ça va être marrant, parce que ensuite, c'était Beat Crush, donc le projet parallèle d'un des membres de ex-Gridlock, donc aussi premier album sorti chez Component Records, je crois que c'était un label canadien. On a écouté Arjan Temfer sur l'album Enarch. Voilà, donc un album qui sonne comme du Gridlock ou du Drift. C'était Drift aussi, le même mec. Big Crush a un peu dévié aussi de cette trajectoire pour ajouter un peu de la guitare, enfin faire un truc un peu post-rock. Bon, avec beaucoup d'électronique, un peu de guitare, toujours très planant. Voilà. Et les derniers albums sont vraiment. Difficile. Ouais. Ah, quand tu dis difficile, c'est que vraiment ça t'a pas plu. Non. Parce que t'es avec ton sens de la formule. Non, donc, mais c'est bien, c'est bien. Ange va traduire, c'était de la merde. C'était de la merde, bien sûr. C'est ça. Dire. Pas très bon donc. Je sais plus où je suis allé avec ce groupe-là. Bon, en tout cas, ils ont fait quand même avec les guitares, il a fait des trucs. Il y a eu des trucs très bien. Ça reste très électronique quand même. Donc un mélange, voilà, un mélange de guitare et d'électro. Voilà. Ensuite, c'était Détritus. Une sortie à Nauseam, un des trucs finalement qui reste à peu près potable. Mm-hmm. Donc Détritus, un morceau qui s'appelait Archipelago. L'album, c'est le dernier que j'ai acheté en date. Things Gone Wrong. Je sais pas s'il a ressorti des choses depuis. Je sais pas. C'est un groupe que j'ai toujours vu. Ça, c'est un anglais, tiens. Non, un gallois, je sais plus. Oui, les écossais est... ou en ou enfin, Britannia, un sujet de voilà. un sujet de sa majesté la reine d'Angleterre. Sûr, voilà. Vassandir. Ça fait 2 fois que je dis Vassandir, 3 là maintenant. C'est à moi ou quoi là? Ça va être à toi. Si tu nous annonces le programme, oui, voilà. Ah, moi, je vais un petit peu réveiller tout le monde là, parce que encore que ouais, quand même quoi là. Donc ça sera une spéciale pour les deux, mes deux parties. Ça sera de l'Indus. Hein, bien gras. Donc on va commencer par Dominator. Je l'ai présenté, mais on n'a pas eu le temps de le passer. Il y a 2 semaines, oui. Il y a 2 semaines, autant on aura peut-être le temps de tout passer aujourd'hui. Mais on va pas. Inch'Allah. Et donc c'est un titre de 92. Bon, c'est du. C'est du White House, un copie-coller, copycat de White House. Mais bon, c'est sympathique. Il y a certaines variations.
Variance, on peut dire ça, non? Je sais pas, il y a une certaine diversité, nuance, ouais. J'ai mélangé variété et nuance, quoi. Donc variance, ouais, c'est pas mal comme titre. Et voilà, donc Dominator, on va enchaîner par MZ412, que je voulais aussi passer, il me semble, la semaine dernière, avec un titre issu de leur dernier album en date, Infernal Affairs. Le titre, c'est Unending Wounds. C'est du MZ412. J'ai pris cet album sur le tard parce que Power Electronics. Black Industrial. Ouais, ça veut rien dire. Ouais, j'avais écouté des Drucks, c'était d'une violence, d'une puissance assez infernale. Ah, MZ412, c'est infernal, ouais. MZ412, c'est assez infernal quand il se rate pas. Voilà, et on va finir avec. Enfin, on va finir pour cette partie avec Dolorism, qui est un projet français qui a sorti sur. Un label qui s'appelle Réminiscence, si je m'abuse, ou je ne sais pas trop quoi. J'avais pas aimé le projet, je l'ai réécouté. J'ai dû certainement l'associer à un autre projet français. Pas mal de groupes français, enfin de projets français qui sont sortis sur War Office Propaganda et qui sont assez merdeux sur la longueur. Donc Dolorism, je trouvais que ça allait pas mal avec MZ412, c'est une bonne suite, logique au point de vue sonore, tout ça. L'album se laisse redécouvrir, enfin du moins moi je l'ai redécouvert, c'est pas mal, c'est pratiquement inconnu, voilà quoi, il chante pas, il n'avait pas une voix grave comme certains ténors de l'industriel français, bidon, mais bon le titre se laisse écouter, d'ailleurs vous avez écouté, ouais, tu vois de qui je parle, allez c'est parti, ouais bien sûr, il a arrêté de fumer, bon mais on va écouter, bon alors, avant j'aimerais passer une spéciale dédicace à Pascal D, qui nous écoute et qui est une grande fan, non pas de la musique qu'on passe mais de moi, et donc Pascal je t'embrasse, on se voit lundi, et tu étais foutrement bien sapé, vendredi. Allez, plus. Sur ce, on vous rappelle le numéro de téléphone 01 43 71 89 40. C'est pour nous joindre au studio jusqu'à 23h. Je sais pas si Ange acceptera de vous souhaiter la bonne année. Bien sûr. Et des goodies, quoi. Ah ouais. On passe tout j'ai le cœur sur la même, moi. À Dominator. C'est pas un numéro surtaxé. Sur Radio Libertaire 89.4 Tormentor jusqu'à 23h.
I'm fucking scared.
Allô. Voici de retour sur l'antenne de Radio Libertaire, Tour Mentor Radio Show. Alors, on nous avait promis de l'industriel, hein, du fond sonore, hein, voilà, des crissements, des vrombissements, des samples, des field recordings. On en a eu. Redéfinition de la musique rock. Voilà, attention, la musique sans notes et sans, là, sans partition. J'ai envoyé de l'Octopus, du. J'ai plutôt de l'architecture sonore. Fear Drop à mort, là. Ils redéfinissent le contour de la musique. Attention, je voudrais une minute de silence. Merci. Alors, on a dans l'ordre, hein, Dominator, MZ412. Machine and Simmer 412. Je ne sais pas ce que c'est vraiment. Medze 412. MZ412, voilà, ouais. 412, et on a fini par Dolorizom. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait beaucoup penser à Melecta. Malheureusement, peut-être c'est pas eux qui avaient fait un truc genre Evil is too strong. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Le titre, déjà, rien que le nom, ça me fait marrer. C'est lamentable. Quand j'ai découvert ce disque sur une compile métal, j'ai failli tomber à la renverse. Le mec samplé raison d'être. Sans vergogne. Le resampling. Il sample, mais je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qui peut pousser des mongoliens pareils à penser qu'ils font du bon truc, quoi. Enfin, du bon stuff, quoi. Ouais, quel est. Non, mais attends, Non, parce qu'il sample raison d'être qui déjà sample. Non, mais il sample parce que les rap, les hip-hoppers, ils samplent pas mal de trucs. Donc ils essaient d'en faire quelque chose, mais. À la rigueur, tu samples un son de raison d'être, tu le travailles. Là, ils samplent des séquences entières. Finalement, le mec, c'est le mégaptéra de raison d'être, tu vois. C'est-à-dire qu'il sample tout le scud, quoi. Et il rajoute dessus. Lamentable, zéro pointé. Voilà les abus de la société consommatrice dans laquelle en même temps vit. Il perd son temps à faire ça. Oui, il perd son temps. Il ferait mieux de passer plus de temps à essayer de faire des trucs personnels, quitte à sortir moins de choses et puis voir un peu ce que ça donne. S'il a mais bon, c'est la facilité des plugins, de tous ces logiciels. Tout ça. Alors, l'un ou l'autre, Melecta ou Dolorizom, est-ce qu'ils existent encore, ces projets? Écoute, Dolorizom, je vais te dire, je suis tombé dessus totalement par hasard. Il n'y a rien du tout à propos du groupe. Il n'y a rien. Quoi. C'est... D'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais en mettre. Je pensais que c'était sur, je le cite une seconde fois ce soir, War Office Propaganda. Parce qu'il a sorti pas mal de trucs français dont je me souviens même pas le nom que j'ai, mais je me souviens même pas le nom. Et en fait, c'est même pas sur War Office, c'est sur Reminiscence. C'est un peu crapoteux. Je crois que c'est espagnol, le nom de label n'est pas espagnol, un truc comme ça. Alors, je ne sais pas. Bon, on s'en fout, quoi. Non, mais ce sont des groupes, sont des projets parce que le mec est solo. S'arrête ou pas, en fait, parce que il y a pas de groupe qui se sépare parce qu'on est tout seul. Voilà, tu peux pas te séparer quand tu es solo, quoi. Maintenant, sortir un album de but en blanc comme ça, je sais pas si c'est. C'est pas le scud de l'année, loin de là, surtout qu'il est sorti en 2011. Je sais pas, c'est un peu risqué. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier, malheureusement. Il va falloir que je réécoute cet album parce que je pense qu'il y a des trucs. Je pense qu'il a pas assez travaillé sa matière, mais c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Voilà. On va continuer alors. À la séquence suivante, c'est la mienne. Ouais. Attention. Alors, on commence avec un morceau d'une collaboration entre Mammifère et Circle. Ouais, Circle. Mammifère, c'est un duo constitué par Aaron Turner et son épouse. Ça y est, on a perdu Ange. Ah ouais, non, on l'a perdu. Autrement, il est parti s'acheter un fusil à pompe. Tu connais très bien Aaron Turner. Oui, je sais qui est Aaron Turner. Et pour nos auditeurs, Aaron Turner, le leader d'Isis, voilà, et boss de Hydrahead, qui chacun d'ailleurs a mis la clé sous la porte. Voilà. Et ben tant mieux. Et donc moi j'aimais bien Isis. Sur cet album qui s'appelle Enharmonic Intervals for Passion Organ, donc ils sont associés à Circle, qui est un groupe de rock expérimental finlandais. Sorti énormément de trucs, qui fait un peu dans tout le comment ils appellent ça là, le folk, je sais pas trop quoi là. C'est un groupe, il faut un peu de métal, mais c'est surtout pour se foutre de la gueule du monde. Hein. Ils se sont pris à leur propre jeu parce qu'ils ont sorti 2-3 albums, je crois, typiquement métal, en suivant les règles des années 80, qui sont pas mauvais au demeurant. Mais sinon, c'est un groupe qui vient plutôt de la scène prog, psyché.
Ils sont bien barrés. Et une fois encore, mon dégoût pour certaines personnes, notamment M. Aaron Turner, qui lui n'a rien inventé, mais qui se colle, tu vois. C'est un peu, pour moi, c'est un peu la Mifa de Sunno, toute cette clique-là. Hein, et ils n'ont jamais travaillé ensemble. Hein. Non, mais Aaron Turner, il est, je pense, un petit peu. Voilà, un non, truc mais moins. Jamais, non, mais jamais. Et non. Je sais pas, au niveau conceptuel de, des albums, tu devrais avoir des thèmes abordés, tout ça, ils évoluent dans d'autres. Je parle dans, pas d'autres, des... dans d'autres thèmes, ouais, donc je suis pas sûr qu'ils aient thèmes. Pu. Ils venaient pas du même endroit. Non, je parle pas du thème, mais je parle du modus operandi de certaines personnes. D'accord. Qui me... Non, je croyais que tu pensais qu'ils collaboraient. Non, pas non, trop, non. Ils sont pas du tout. Il sort pas beaucoup non plus, énormément de. Il a sorti beaucoup avec tout. Il avait pas mal de projets à une époque, non? Aaron Turner, ouais, je sais pas. Ouais, après bon, donc ce morceau de Mammifère et Circle va ouvrir un morceau de Menace Ruine, qui est un duo venu du Québec, de Montréal. Québec, les cousins. On va écouter un morceau extrait de leur dernier album qui s'appelle Light in Ashes. Très bien, très bien. Sorti en 2012, hein, non pas avant, enfin après. Enfin, et on terminera avec quelque chose que j'ai complètement oublié de passer pendant 13 ans. Qui est Rosa Crooks. Rosa Crooks, c'est vrai. Et on en a quand passé même, jamais. Ben jamais. Non mais, c'est normal que vous n'en ayez jamais passé. On, mais on n'a jamais pensé à le 456 faire. 456 fois Gridlock, 2250 fois Winterkalte. Non, Winterkalte, ils sont loin, ils sont derrière. Ils sont pas loin, mais ils sont d'un groupe étau. C'est les échappés, t'as Gridlock. On va rattraper le coup cette année, Rosa Crooks. Je vais essayer d'en ressortir. J'ai pas mal de matière à diffuser pour cette année. Voilà, c'est parti. Mammifère et Circle. Tout d'abord avec le morceau Tumulus, on va juger sur pièce. Et je vous laisse avec le numéro de téléphone pour nous joindre, 01 43 71 89 40. C'est Tormentor Radio Show jusqu'à 23h sur Radio Libertaire. Thank you.
Voilà, on est de retour sur Radio Libertaire, Tormentor Radio Show. Les gars, vous allez vous asseoir. Voilà. Ça me fait penser à Daphne June, ces petits. Oula. Putain, je... Ou un gros mot. Ouh là là là. Tabou. Ah, ça fait deux gros mots de la soirée. Hein. Lequel le premier? Le truc que tu m'as dit qu'il fallait que j'arrête. Ok, d'accord. Mm-hmm. Ok, pas ok, d'accord. C'est une redondance. Ok, d'accord. Alors, okay, on avait commencé avec. Excusez mon anglais, mammifère et circle. Avec le morceau Cycle. Voilà. Donc on a dit le Iron Turner et son épouse dont j'ai oublié le nom. On s'en fout. Et un groupe finlandais, donc pour ça un morceau qui était sympa, Tumulus, extrait donc de cette collaboration Enharmonic Intervals for Passion Organ. C'est sorti chez Siege. Siege. S-I-G-E, donc je crois que c'est un label américain, c'est sorti en octobre dernier. Ensuite on a écouté donc Menace Ruine qui vient de Montréal. On a écouté le morceau Set Water to Flames qui ouvre l'album A Light in Ashes. Et ça a été publié chez Profound Lore Records, à savoir aussi qu'ils ont publié des choses chez Siege aussi. Ah bon? Ouais, voilà. Et Alienate. Et Alienate au tout début, oui. Ah ouais. Et sur le même label que Axan Cloak, par ailleurs. Axan Cloak, oui. Des Novalis. J'ai entendu parler de ça. Non. Mais Menace Ruine, on fait que trois albums. Ils ont fait quoi après DEP? C'est le dernier. Hein. Ça date de 2012. C'est le troisième. Ça me faisait, comme je te disais, ça me faisait penser à un truc, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus, cette voix. Une belle voix, hein. Ouais, une bonne voix, ça se tient. Très planant, un peu shoegaze. Enfin, des gros murs de son. Premier gros mot, Benjamin. Oh, shoegaze. Voilà. Ça a été le fait penser à ça. T'auras pas de bon point. Non, là. Oh non, j'ai pas pensé à shoegaze. Non, au contraire. Un petit peu, hein. Tout petit peu. Au contraire. Non pas que je crache sur le shoegaze, mais enfin, bon, maintenant, ce qu'ils en font, c'est lamentable. Une fois de plus. Mais moi, ça me faisait penser. Non, c'est très beau. Et même la guitare. Pourtant, je n'aime pas la guitare quand on fait ce style de morceau-là. Je trouve qu'elle passe bien, c'est bien maîtrisé. Moi, j'avais été déjà bien secoué, enfin, entre guillemets, par leur second album. Beaucoup aimé. Le troisième, je crois que c'est le second titre que j'écoute et qui est très très bon. Quoi. Très très bon. Et on a terminé avec le projet français de Rouen. Ouais. Ils n'ont jamais quitté Rouen d'ailleurs. Rosa Crux avec le morceau In Tenebris, morceau éponyme pour l'album, qui est sorti en 2002 sur leur propre label. Alors moi je pourrais leur reprocher justement d'avoir une diffusion trop limitée finalement, parce qu'on retrouve les deux premiers, enfin les trois albums à des prix défiant toute concurrence, enfin des prix impossibles, genre 40-50 euros pour des disques d'occasion, ça va pas quoi. Comme à la Fnac. Voilà, mais pas en édition limitée. Ils auraient la possibilité quand même de les rééditer assez facilement, je pense. Ah ouais. Rosa Crux, alors ils additionnent plusieurs particularités, notamment un chant en latin, donc c'est tout à fait profane, hein, rien à voir avec quelconque religion ici. Ils utilisent un carillon, on l'entend bien, surtout en live. Oui, ils avaient le carillon, ça s'était rajouté. Par la suite, ils ont évolué. Hein. Mmh. Ils ont évolué dans leurs instrus et ils ont la fameuse BAM, batterie automatique MIDI. C'est ça. Donc avec des baguettes. Enfin, les baguettes sont toutes animées, par ordinateur. Des aimants de flipper qui font travailler la chose. Alors soit c'est vraiment excellent, on la voit. En concert, elle est là. C'est génial. C'est ça, c'est un clavier MIDI en fait, je pense. Plutôt qu'un ordinateur, ou peut-être que maintenant ils ont l'ordinateur. Mais en tout cas, c'est impressionnant aussi à voir en live. Ils ont tout un spectacle qu'ils accompagnent, ou plutôt qui accompagne le concert qui s'appelle La Danse du Feu, je crois. La Danse de la Terre, avec les ouzes là. Le couple, c'est pas mal. Ils ont une belle vidéo justement qui est sortie avec, je crois que c'est In Tenebris, il me semble. Très druidique tout ça. La vidéo vraiment, alors je sais pas comment ils ont mis de caillasse dedans pour la sortir, mais est vraiment très très bonne. Je vous conseille de la regarder sur YouTube. Je pense qu'elle a pas dû leur coûter très cher. En tout cas, il y a les moyens. Il y a la technique, beaucoup de technique dans ce qu'ils font. Rosa Crux, j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir. La dernière fois qu'ils ont joué en concert à Paris, c'était à Flèche d'Or, c'était complet assez vite.
C'était en 2012, il me semble. Il y a deux ans, à peu près. Voilà, Rosa Crux, je continuerai. 2013 peut-être, début 2013. À écouter avec plaisir. Ça me le met à vie. Mm-hmm. Ah, c'est possible, ouais, c'est peut-être très récent. Que, en fait. Ouais, possible. Voilà, donc ce sera, c'était tout pour ma séquence. Merde. Bien voilà, et ben, on va passer à de l'ambiance. Et, donc, troisième gros mot. Quoi, de l'ambiance? C'est un gros mot? Non, merde, quatrième. Vas-y. Flûte, voilà, on va écouter du Troom pendant un quart d'heure. Ah, du Troom peut-être. Du Troom, des grands, pour moi des grands maîtres du dark ambiant, enfin dark, pas si dark que ça. C'est j'adore vraiment Troom. Troom c'est, et My Error Tree, là. Je mets Troom au même niveau que Closemore de raison d'être, voilà. Bad Sector. C'est vraiment le Big Four, c'est pour moi, c'est ça. le 4 majeur, les 4 grands du Dark Ambient. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés, mais ceux-là font partie de mon panthéon. Est-ce qu'on peut mettre dedans, rajouter peut-être en 5e position, Dusk of Hope? Bien sûr, mais comme Philippe nous écoute pas, Bon allez, alors on va écouter deux morceaux parce que c'est toujours assez long, donc ça prendra le quart d'heure. Et on revient tout de suite après, Hugo, pour les titres. Tu t'embrasses, là, tu viens de t'embrasser, Hugo? Non. D'accord. Allez, on s'écoute My Error Tree. C'est My Error Tree? Troom, c'est Troom. Troom, c'est pareil, c'est la même on famille. Peut nous appeler au 01 43 71 89 40. Pour que je vous souhaite 23 bonne année, oui, bonne année de d'ange. Ma voix suave, merci.
Voilà. Alors, on est de retour sur Radio Libertaire avec Tormento Radio Show. Alors, tout de suite, la liste était donc... mince, j'ai pas la feuille. Tu me filais la feuille, Hugo? C'était Troum. Alors, oui. Traum. Oui, Troum. 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 Troum, donc Traum, c'est rêve en ancien allemand. Hein, voilà, ils ont, d'accord, ouais, voilà, parce que Traum, voilà, donc c'est Alptraum. Une musique très onirique. Hein, voilà, toujours aussi, voilà, j'adore vraiment ce qu'ils font parce qu'ils utilisent pas des synthés, ils utilisent des vrais instruments, ceux qui retravaillent. Bah, ils utilisent des guitares. Hein, oui, ils utilisent de tout, des accordéons, de tout. Voilà. C'est ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils font finalement, ils font du dark ambient qui va pas passer d'âge. Voilà. C'est du light ambient. Voilà. On peut inventer ça, le light ambient. Light, ouais. Mais il faut faire attention entre les dark ambient parce que c'est toujours un petit peu mélancolique. Le light et le new age. Voilà, ouais. Attention. C'est pas du new age, voilà, ça reste assez puissant et assez profond. Alors on écoutait en premier, c'était Rigor Vitreus. Voilà, c'est une compilation Cymbaline qui est sortie sur un label qui s'appelle Small Voices il y a une dizaine d'années. Oui, italien. J'en sais rien. Le deuxième morceau était Lichtbrandung. Alors un extrait de la trilogie de Tsukurpa. Tsukurpa, c'est le truc du rêve, c'est la mythologie des aborigènes d'Australie. On écoutait donc un extrait qui s'appelle Lichtbrandung, qui est sorti sur le premier disque qui s'appelait Harmonies et leur label à eux Transgrediente. Voilà. Ah, c'est pas Drone leur label? Ils ont aussi, mais Transgrediente, ils ont sorti beaucoup d'albums sur Transgrediente. C'est Drone, le label de un des Baraka H, quelque chose comme ça. Un des membres de Troum. J'en ai quelques-uns, quoi. Ouais, moi j'ai tout ce que j'ai pu trouver, j'ai acheté. Je suis vraiment un gros fan. Je pense que maintenant tu peux les choper, les drones pas trop rush, quoi. Il y avait les Reutov, ils avaient passé. Le russe, Reutov, j'en ai deux, mais pas chez Drone. Sur d'autres labels. Moi j'ai le premier sur Drone. Je crois que c'est sorti sur genre Tesco, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, Tesco, Oruk. Oruk, voilà, Oruk. Ouais, bon, c'est moyen comme ouais. C'est le label de Bidule et Truc, voilà. Mec qui a plein de tics. Et ils ont sorti aussi du bras sur Moi je l'ai pas vu avec le tic du bras, mais le tic du bras droit, et des tics de langage, hein. C'est très, voilà. Et j'ai vu on arrête de casser du sucre sur le dos des gens qui se décarcassent pour nous sortir des mauvais scuds. T'as mis le silencieux sur le bazooka là. Hop, ça picote. Voilà. Donc c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Ne parlons plus, continuons. Encore de l'industriel. Encore de l'indus. Parfait. Du post-indus, c'est du post-indus, puisque l'indus est le mot trademarqué par Genesis, par Madame Strobing. Donc c'est post-industriel. Donc on va commencer par Street Without Joyce. Without Joy, Street Without Joy, qui a sorti une cassette, deux titres. On va écouter le premier qui s'appelle Analogue. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'ai cherché cet après-midi si j'avais d'autres trucs, il n'y a rien. Alors il n'y a rien du tout sur ce monsieur. Je pense que c'est un gars qui a sorti une cassette, comme il aurait pu sortir, je sais pas, un dessin ou quoi que ce soit. Bon, néanmoins, le premier titre, le titre qu'on va s'écouter est très 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 bon. Assez malsain entre guillemets, fait penser un petit peu à certains passages à Traxmorgue, le dieu. Donc voilà, on va continuer avec Caroline K qui a fait un et seul EP, qui était une meuf de Nocturnal, enfin qui a fait dans Nocturnal Emission au tout début. Ouais, d'accord. Ouais. Elle est morte d'ailleurs il y a quelques temps. Elle nous a quitté. Alors je le savais pas, mais enfin le maxi qu'elle a sorti a été réédité par. Si je parle plus français, c'est la folie. Je suis multilingue. Nocturnal, c'est pas la clique Invisible Records là de l'escroc Atkins? Martin Atkins, non. Invisible Records, ce truc américain là qui avait arnaqué plein de gens. Non. Ouais. Epic Face et tout ça là. Ouais. Et donc Indus, très anglais, hein, très anglais. Vous l'écouterez de par vous-même, c'est très anglais dans le son. C'est pas mauvais du tout, bien en avance sur son temps, puisque ça date de, si j'ai pas oublié, 87, marqué l'adresse, donc c'est le temps, donc c'est déjà vieux. Et on finira par Farmsal. Un projet français qui s'appelait au départ Farmsal de programme, que j'ai découvert sur le net, ça fait pas mal d'années. Ils n'ont jamais rien sorti, je comprends pas pourquoi là aussi, parce que c'est vraiment très très bon. Ils ont sorti un titre qui était sur la compilation Nas de Colmite, All My Dead Friend.
et le titre est pas mauvais, un des rares titres écoutables de cette compile. Là c'est deux titres que j'ai dû choper sur MySpace à l'époque ou je ne sais où. Vous verrez, c'est très très rituel. Ils ont sorti aussi un maxi ou un CDR un peu plus tard, mais bon, je sais pas trop quoi. C'est assez chelou, on trouve rien sur le net. Quelle nationalité t'as dit? Français, ils français. Sont français, ils sont français. Et moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, le peu de choses que j'ai écouté d'eux. Ils étaient copains avec un label qui était sur Strasbourg, je sais pas trop quoi. En gros sonore. Putain, ça y est, encore un gros. Non, j'ai un respect pour mon sonore, c'est perso, mais respect. Bon, je comprends ce que ils tu veux dire. Ils ont pas arnaqué des gens. Non, mais écoute-moi, en tout cas, ils ne pas arnaquer. Non, non, mais d'autres, peut-être non. C'était de la distro, non? C'était pas. Maintenant, ça ou s'appelle. De la VPC aussi. Ils faisaient pas de la VPC. Oui. Si. Ça s'appelle, je sais plus je comment. Sais pas comment. Oui, Cortex. Cortex maintenant. Cortex. Non, un label de la région, je me rappelle plus, qui s'est sorti 2-3 trucs. Ils veulent dominer le monde. Très ad nauseam. Donc voilà, c'est Farmsal programme ou plus programme, on s'en fout. Vous écouterez par vous-même, très rituel. Donc voilà, on va donc Street River Joy, Caroline K et Farmsal tout court. Allez, c'est parti. 01-43-71-89-40. C'est le numéro de téléphone pour nous joindre. On a le temps pour mettre le quatrième titre ou on n'a pas le temps? On verra. Ce sera surprise. On a jusqu'à 23h de programmation. 23h02. Ouais. Sur Radio Liberté, la radio de la Fédération anarchiste. Je vais dire. Thank you.
Allez. Et voilà, nous, on est de retour pour la fin de l'émission. Ouais. Temps Mentor sur Radio Libertaire. On va laisser après la place à l'émission Hôtel Paradoxe. Avant cela, on a le temps de redonner les trois titres des morceaux qu'on a diffusés. Oui, wow. Donc Street Without Joy, qui excellent, bien plus. Ouais, excellent. Ouais. Un synthé analo bien fat. Ouais. Voilà, pour une cassette, une production qui est quand même assez bien foutu. Qui est bien foutu, pas du lofi, du moins sur ce titre là parce que le second est quand même un peu plus anecdotique. Malheureusement, je crois qu'il a plus rien sorti, le cum. Voilà, malheureusement. Après on a enchaîné donc Caroline K, donc l'anglaise, issue de son 12 pouces, je me rappelle plus comment. J'ai noté No Wait for Last Year. Voilà, exactement, qui a été réédité il y a quelques années par Clan Gallery avec trois titres en plus. Et on a fini par Farm Sal. Indus rituel de très bonne qualité. Ouais, excellent, voilà. Tu dis parfait, comment ? Parce que moi j'avais noté Tarmapsal. Tarmapsal. Très bon. Voilà, un français. Très bien. Là aussi, j'ai rien pu trouver de nouveau. Dommage. Sur ça. Bercu bien, qui frappait bien. La production qui a été bonne. Une petite ambiance de trance derrière. Exactement. Comme il faut. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Et donc, le titre qui est sorti sur All My Dead Friend, la compile de Colmeat, s'appelle Molecule Out. Je l'ai réécouté justement cet après-midi. C'est un peu dans le même style. Donc, c'était un groupe qui présageait que du bon. Je peux dire groupe, je crois qu'ils étaient 2-3 là-dedans. Et malheureusement, ils n'ont rien fait. Donc, s'ils nous écoutent, contactez. Remettez-vous-y, au boulot. Puis, contactez-moi prestamment au 01 43 71 89 40. On a du boulot pour vous. Il se peut qu'on ait du boulot. Donc c'était ma setlist, ma proche. On va terminer l'émission avec les 10 minutes de hype nécessaire pour faire la transition avec l'émission qui suit, c'est hype. Un hype à toi. On va commencer avec un album que j'ai beaucoup aimé, un de mes préférés de l'année passée, Boards of Canada, avec l'album Tomorrow's Harvest. Ça peut être hype ou pas, je pense que ça ne l'est plus. Non, mais ils sont revenus à des meilleures intentions avec cet album. Alors je vais passer le morceau numéro 2, Reach for the Dead. C'est sorti sur Warp, évidemment, en mois de juin, et on enchaînera avec un morceau du britannique également, Forest Swords, qui passé il y a 2 semaines. Non, j'en ai pas passé, j'avais pas eu le temps. On va passer le numéro 4 qui s'appelle Onward. Donc l'album c'est Engravings. C'est sorti chez Triangle, qui est un label forcément de Brooklyn. Qui dit Brooklyn dit H-Y-P-E. Un peu. J'ai 30 ans, j'ai une barbe. Une chemise à carreaux. Chronique-moi. Ouais, Brooklyn Vegan aussi. Brooklyn Vegan, le site odieux vert qui fait les beaux jours de la musique indé américaine, c'est-à-dire lamentable. Et Brooklyn. Ou alors on peut parler aussi de Révélation, la belle stratège. Nasbrock américain, on peut en parler pendant des heures. Boards of Canada, Forest Swords, seul groupe potable. On se quitte là-dessus. Ils sont tatoués dans 15 jours. Finalement, on se dit à dans 15 jours, au 2 février 2014. Au 2 février 2014. À bientôt sur Radio Libertaire 89.4. Ouais, plus.